Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous accueillir pour cette soirée L'Esprit d'insoumission autour de Dionys Mascolo, un événement qui est organisé par la Bibliothèque publique d'information dans le cadre du festival Hors-Piste, qui est programmé par le département du développement culturel du Centre Pompidou et auquel la BPI s'est associée. Je voulais remercier Bernadette Vincent, qui est programmatrice au service du développement culturel et qui a concouru à la programmation de cette soirée. Et bien évidemment, Jean-Pierre Saez, qui est directeur de l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, qui nous a aidés à concevoir cette soirée et qui va nous accompagner tout au long de ces différentes rencontres autour de Dionys Mascolo et autour de l'esprit d'insoumission. Voilà, et je vais laisser à Jean-Pierre Saez le soin d'accueillir et de présenter nos invités et de les remercier en notre nom, bien évidemment, pour leur présence et leur participation. Merci à vous et très bonne soirée. Bonjour. Bonjour Edgar. La lumière vient. Il suffit que je prononce ton nom pour que la lumière vienne. Alors, depuis longtemps, Edgar Morin me disait il faut que nous fassions quelque chose sur Dionys Mascolo. Il faut que nous lui rendions justice. Et depuis longtemps, je lui disais oui, il faut que nous disions qui était Dionys Mascolo, que nous fassions connaître la pensée et l'action de ce magnifique personnage, vous allez voir, qui fut privé par les circonstances familiales de longues études, mais qui étudia toute sa vie. Cet immense intellectuel, plutôt méconnu du grand public, cette figure clé de ce que l'on a appelé le groupe des amis de la rue Saint-Benoît. Tout à l'heure, Edgar va évoquer ce groupe avec Marguerite Duras, Robert Antelme, lui-même et Dionys Mascolo. Voilà, c'était le noyau central de ce groupe. Et puis, les enfants de Dionys, Jean, dit Outa Mascolo, pour ceux qui connaissent un peu la littérature autour de ce groupe, et Virginie, se sont souvenus que leur papa aurait 100 ans cette année. Et avec Jean-Marc Turine, réalisateur, qui est ici présent et qui nous présentera tout à l'heure un extrait d'un film réalisé en 92, eh bien, ils se sont dit, et ils nous ont dit, mais c'est le moment de faire quelque chose sur Dionys. Alors, nous y voilà. Mais que faire et comment rendre compte de sa démarche et comment comprendre ce que cette démarche a à nous dire ici et maintenant. C'est un peu de cela dont on parlait avec Edgar pour préparer cette rencontre. Dionys Mascolo, il fut entre autres, et vous allez voir qu'il a eu énormément d'engagement, mais il fut entre autres l'artisan, de mon point de vue, l'artisan principal, mais Gisèle Sapiro dira peut-être ce qu'il en est de ce point de vue, Edgar, l'artisan principal d'une initiative qui ébranla sans aucun doute la France de 1960, puisqu'il prépara avec Jean Schuster, le secrétaire d'André Breton, puis Maurice Blanchot, ce qui allait devenir la déclaration pour le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, que nous connaissons peut-être de façon un peu plus publique par le manifeste des 121, les 121 intellectuels qui ont signé ce texte. Droit à l'insoumission, c'est peut-être, et l'idée en revient à Edgar, c'est peut-être ce qui résume l'essentiel de l'implication de Dionys Mascolo dans les questions politiques, mais avec les armes de l'intellectuel, car il a toujours revendiqué, au fond, cette qualité. Mais alors, pourrait-on se dire aujourd'hui, cette quête permanente d'émancipation, de refus de la servitude, cet esprit révolutionnaire, parce que c'est aussi comme cela qu'il se définissait, cet esprit qui dit non, il avait souvent l'habitude de reprendre ce mot de Hegel, ce joli mot, l'esprit qui dit non, que Dionys Mascolo donc citait, qu'il incarne aujourd'hui. Et comment se survit-il? Comment se manifeste-t-il? Est-ce que cette question a un sens? Faut-il rechercher, identifier
les mêmes façons de faire, j'allais dire, qu'autrefois. Autrefois, où les grands noms d'intellectuels étaient mobilisés pour lever le voile sur les injustices, dénoncer les errances, les fautes, les crimes, parfois des pouvoirs. Qui représente alors l'esprit d'insoumission et comment vient-il à nos contemporains? Ne faut-il pas chercher du côté, mais dans le désordre, hein, vraiment, c'est une thèse qu'il va falloir vérifier. Ben, des lanceurs d'alerte, de Greenpeace, des réseaux sociaux indépendants, de Nuit Debout, pourquoi pas, et de tant d'autres mouvements. Et si les dénonciations trop médiatiques sur le prétendu silence des intellectuels nous empêchaient de voir que l'esprit de vigilance s'exerce aujourd'hui d'une façon autre, qui traduit à la fois peut-être l'approfondissement de la démocratie, mais aussi d'une certaine façon sa fragilité. Voilà en gros comment s'est formulée peu à peu l'idée de cette rencontre. Mais pour la finaliser, pour lui donner un cadre, un écho, il fallait un partenaire à l'écoute, et ce fut la Bibliothèque publique d'information. Comble de chance, si j'ose dire, il se trouve que le Centre Pompidou devait programmer en ce joli mois de mai un événement, un festival, autour justement de l'esprit de révolte. Alors merci mille fois au Centre Pompidou, merci mille fois à la BPI, à Christine Carrier, sa directrice et son équipe, Emmanuel Payen et Bernadette Vincent, qui ont donné un grand coup de main pour qu'ils puissent se préparer cette rencontre, bien d'avoir offert cette scène et cette place dans la programmation du festival. Alors notre rencontre, pour vous permettre de vous repérer un peu dans le cheminement que l'on va suivre, elle va se dérouler en deux grandes parties avec des petites ponctuations au milieu. Dans la première partie, on va céder la parole à Edgar Morin dans un instant, parce qu'il a été aux premières loges, il a été l'ami, le confident de Dionis Mascolo, et ce depuis la Résistance, puisqu'ils sont connus à l'époque même de la Résistance, et Edgar va nous dire dans quelles circonstances tout de suite. Edgar Morin, d'ailleurs, que Dionis Mascolo et Marguerite Duras nommaient leur premier communiste, parce qu'il était à l'époque membre du Parti communiste, et eux bientôt après. Et puis, ensuite, nous profiterons de la présence du comédien Philippe Morier-Genoux pour qu'il nous lise un texte extrait d'un livre de Dionis Mascolo autour d'un effort de mémoire, qui est un complément, si vous le voulez, à la douleur de Marguerite Duras, on vous le dira plus amplement tout à l'heure. Et puis ensuite, avec Gisèle Sapiro, Leïla Bakli et Dominique Cardon, nous prolongerons le débat en essayant de comprendre les différences entre les époques historiques que nous allons traverser, celle d'hier jusqu'à celle d'aujourd'hui. Mais avec Edgar, on va se replonger, se resituer dans cette histoire d'hier à aujourd'hui d'ailleurs, marquée par la résistance, la libération, bien sûr, la guerre froide et les débuts de la déstalinisation, la guerre d'Algérie, l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, la guerre du Vietnam, peut-être, je ne sais pas si on poussera jusque-là, ce qu'a représenté aussi à cette époque-là Cuba, en tout cas pour Dionis, mai 68, et puis on poussera peut-être jusqu'à l'époque contemporaine. Et cette histoire, elle est marquée par leur aventure humaine commune. Elle est faite d'engagement, d'amitié, d'amour et, si j'ose dire, Edgar, de générosité aussi. La tienne, mais celle de Dionis, parce que je crois que s'il y avait un mot pour le définir, c'est aussi cette notion de générosité. Alors, tu as l'occasion de le rencontrer et de le rencontrer dans des circonstances très particulières et nous sommes impatients de savoir comment. Ça va avec le micro. Vous m'entendez? Ça marche? Apparemment, ça marche. Non. Écoutez, moi, je vais vous parler de Dionis, de mon expérience personnelle, de
de sa vie, telle que je l'ai connue. Alors, si vous voulez, j'ai rencontré Dionys Mascolo, je crois, en 1943, peut-être à l'automne 43. J'avais 22 ans, il avait 27 ans. Lui, il était déjà chez Gallimard, et en plus, il était déjà lié à un mouvement de résistance qui s'appelait Combat, avec Admer Camus, dont il était l'ami à l'époque. Mais il est entré dans ce mouvement de résistance des prisonniers déportés, sans doute parce que c'était le mouvement auquel s'était rallié Robert Antelme, qui était déjà devenu son meilleur ami, et Marguerite Duras. Et donc, Et alors, au moment où on avait fait la fusion entre ce mouvement de Mitterrand et un autre mouvement auquel j'appartenais, j'étais un des responsables de la région parisienne, Georges Beauchamp, qui était dans le mouvement de Mitterrand, me dit: je vais vous faire un très beau cadeau, et il m'a fait rencontrer le Dionys. Je me souviens très bien, j'étais avec mon vélo, avenue Trudel, et j'ai eu un vrai coup de foudre d'amitié, car j'ai été séduit par son intelligence, sa douceur, son caractère. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui faire ma prédication communiste, parce que tout en étant dans un mouvement de résistance, j'étais secrètement communiste, et en lui donnant des arguments, dans le fond, qui à l'époque pouvaient sembler valables, parce que je savais très bien ce qu'avait été l'Union soviétique à l'époque des grands procès, dans les années 30-40, mais les arguments que je donnais, c'est de dire: mais ces aspects négatifs, ces vices, sont la conséquence, d'une part, de l'arriération de la Russie tsariste, là où a eu lieu la révolution d'octobre, et d'autre part, de l'encerclement capitaliste qui n'a cessé d'essayer d'asphyxier la jeune Union soviétique. Mais maintenant que nous allons réussir à gagner la guerre, que nous allons briser cet encerclement, eh bien, vont s'épanouir toutes les virtualités qui se trouvent dans le communisme, tout ce monde fraternel, un monde nouveau. Donc, je l'ai converti de cette façon-là. Alors, avec Dionys, donc, nous avons vécu pratiquement ensemble l'insurrection de Paris. On avait occupé le petit journal qui se trouvait rue de Richelieu avec Marguerite Duras. Et nous avons vécu aussi la journée inoubliable de la libération elle-même, c'est-à-dire ce grand défilé sur les Champs-Élysées, où dans une voiture à toit ouvert conduite par Georges Beauchamp, il y avait donc Marguerite, Dionys, Violette et moi debout avec le drapeau tricolore. Bref, nous avons établi donc ce lien. Et Robert Antelme, lui, avait été arrêté plusieurs mois auparavant par la Gestapo, et nous ne savions pas ce qu'il était deviné. Robert Antelme, qui était le mari de Marguerite Duras. Et alors, ce qui c'est un épisode très important, est que Robert Antelme, qui avait été déporté un commando à Gandersheim, avec l'approche des armées alliées, les SS ont fait marcher à pied les gens de ce commando jusqu'à Dachau. Et bien entendu, ceux qui tombaient étaient exécutés sur place. Ils sont arrivés extrêmement amaigris. Ils sont arrivés à Dachau. Et c'est à Dachau que, peu après, l'armée américaine a libéré le camp. Mais comme il y avait le typhus dans le camp,
l'armée américaine a mis le camp en quarantaine. Et fort heureusement, Mitterrand, qui était le responsable de Robert dans ce mouvement de résistance, était, je crois, ministre ou secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État aux prisonniers et aux déportés. Il est allé visiter Dachau. Et en allant, en voyant ces cadavres vivants, il a entendu une faible voix qui appelait François. Il a reconnu Robert, qui était un colosse, qui n'avait plus que 35 kilos. Et quand il est revenu, il s'est hâté. Il n'a pas pu le faire sortir, puisque le camp était en quarantaine. Il a visé Marguerite. Et aussitôt, Dionis et Georges Beauchamp ont frété une voiture avec tous les papiers officiels fournis par le ministère de Mitterrand, et ils se sont rués sur Dachau en emportant avec eux une capote d'officiers. Ils ont pu retrouver Robert et le faire évader avec cette capote d'officiers. Et le transport était très délicat parce qu'il n'y avait plus de muscles, le cœur ne tenait que par les veines et les artères. Un médecin leur avait dit roulez doucement, ça peut craquer. Et au cours d'un voyage interminable, ils sont arrivés rue Saint-Benoît, où Marguerite a accueilli Robert et Dionis. Et Robert, en plus, a été sauvé parce que Marguerite a trouvé un médecin qui avait été aux Indes et qui savait que aux gens qui souffraient de famine, il ne fallait pas leur donner de la nourriture tout de suite. D'ailleurs, moi j'ai eu d'excellents amis de mon ami Eric Anati, qui a été libéré à Mauthausen, il s'est rué sur les conserves américaines, et il en est mort. Et Robert, donc, a eu des transfusions de lymphe, je ne sais plus, enfin, il a été d'abord nourri par une transfusion, ça se dit, et progressivement, il a repris sa santé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que je crois que de 1946 à 47, année où donc il y avait Robert qui reprenait des forces, Marguerite, où Dionis venait passer les soirées, et au moment où il allait repartir chez sa mère, on lui disait tous de rester et rester couché sur un divan. Et là-dessus, Marguerite m'avait hébergé, ainsi que Violette, ma femme, parce que nous revenions d'Allemagne. Nous, on avait rejoint la première armée, on avait été en Allemagne occupée. Et une fois que j'avais écrit mon livre « L'an zéro de l'Allemagne », que Robert Handel, du reste, a publié, nous sommes rentrés et nous avons logé. Et je peux d'ailleurs que c'est une année inoubliable, parce qu'on formait une communauté, une patrie d'amitié. On vivait hors argent. Et si je dis hors argent, c'est que moi, il me restait l'argent de ma solde d'officier d'Allemagne, que Dionis touchait son salaire chez Gallimard, et que donc il n'y avait pas de problème d'argent. On vivait donc hors argent, hors ambition, hors profession. Dionis allait l'après-midi à son bureau, il s'occupait de traduction chez Gallimard, et vers les 5 heures, on allait le retrouver au bistrot d'en face avec Robert, et on discutait interminablement. Le soir, on pouvait aller au tabou, danser, ou Marguerite organisait des soirées. Bon, c'est une époque vraiment de totale communauté. Et en plus, il faut dire que la relation Robert-Marguerite-Dionis, ce n'était pas du tout un ménage à trois. C'était quelque chose de tout à fait différent. Bien sûr, Marguerite est devenue liée à Dionis. Elle a cessé d'être liée physiquement à Robert. Mais il y avait il restait une adoration de Marguerite Duras pour Robert Anselme. Et une adoration de Robert Handel pour Dionis, qui était en plus qu'il avait délivré, et un amour profond de Dionis pour Robert. On peut dire que si on peut penser à Montaigne et à la Boétie,
Dionys était plutôt le labo ici, le révolté, et Robert était le Montaigne souriant. Mais ce que je dois dire aussi, c'était que déjà, en lui, l'esprit d'insoumission s'était manifesté parce qu'il avait tenu à éditer les œuvres de Saint-Just sous le pseudonyme de Jean Gratien, avec une préface évidemment très saint-justienne. Et c'était ce côté héroïque, ce côté de Saint-Just, ce côté justicier, ce côté révolutionnaire qui l'avait marqué avant même qu'il soit tout engagement communiste. Et d'ailleurs, c'est Robert Antenne qui a publié le Saint-Just, comme il a publié Mon livre en zéro d'Allemagne, comme il s'est auto-publié dans ce livre admirable qui s'appelle L'espèce humaine. Et j'espère que nous ferons une journée consacrée à Robert Antelme, qui a créé un des livres les plus beaux, les plus forts, les plus bouleversants sur la déportation dans un camp de concentration nazi. Et je dois dire qu'au cours de cette époque, Dionys m'a beaucoup apporté, je dirais culturellement. C'est lui qui m'a fait découvrir la vertu du surréalisme. Et d'ailleurs, nous avons connu ensemble André Breton quand on a fait le comité contre la guerre d'Algérie. Il m'a fait découvrir le flamenco, qui est pour moi une de mes passions permanentes. Il m'a fait découvrir Wojciech, le Wojciech d'Albanberg. Il m'a fait découvrir des choses absolument... La mort à Venise, enfin, il avait une culture et il m'a fait ouvrir beaucoup de il m'a ouvert à beaucoup. Mais, en plus, il y avait quelque chose en lui qu'il ne faut pas oublier, c'est son profond respect pour l'écriture. C'est une chose qui était très, je peux dire, polanesque, enfin, qui tenait de Gallimard, de l'atmosphère de Gallimard, la religion de l'écriture, et qui a peut-être joué un rôle inhibiteur parce qu'il a écrit beaucoup de pages de journal, mais bon, ne sont pas publiées. Je ne sais pas si Solange pourra nous en parler, mais enfin voilà. De toute façon, donc, de mon côté, je l'avais converti, et Marguerite, Robert et lui s'étaient donc inscrits au Parti communiste et s'étaient mis dans la cellule de Saint-Germain-des-Prés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, la guerre froide est intervenue, pas seulement politique entre l'Ouest et l'Est, mais aussi intellectuelle, idéologique, à partir d'un document qui s'appelle le rapport Zhdanov, où Zhdanov opposait non seulement la science bourgeoise à la science prolétarienne, mais la littérature bourgeoise et décadente, le réalisme socialiste. Des consignes sont arrivées et aussitôt les chiens de garde, si j'ose dire, ont dénoncé Sartre et Merleau-Ponty comme des agents américains qui allaient toucher leur solde tous les mois à l'ambassade américaine. Il y a eu un déchaînement de conneries absolument incroyable. Je crois même que Canapa reprochait à Queneau un intellectuel communiste de l'époque. Hein, qu'il n'y avait pas un intellectuel communiste de l'époque, pour préciser. De décourager le prolétariat. Enfin, il y a une époque de très grande crétinisation. Et il s'est passé qu'il fallait réagir à ça et que nous avions un ami, un écrivain italien, Elio Vittorini, avec lequel il s'est profondément lié, qui était de passage à Paris et où l'atmosphère du Parti communiste italien était différente, et Vittorini écrivait dans le Politecnico des choses qui n'étaient pas dans la ligne, dans la norme. Alors aussitôt, on a décidé, c'est l'idée de Dionys, qu'on ferait une interview de Vittorini pour les Lettres françaises, qui étaient l'hebdomadaire littéraire, culturel du Parti communiste, et où je connaissais le brave directeur, Claude Bourgand. Alors, cette interview a mis le feu aux poudres, parce que Vittorini, il disait deux choses. La première chose, il disait,
le front de la culture n'est pas exactement le même que le front de la politique. Il peut y avoir des écrivains qui ne sont pas communistes, qui ne sont pas de gauche et qui pourtant apportent à la culture quelque chose de positif. C'était l'époque où Elsa Triolet disait « Un écrivain qui n'a pas de talent ne peut pas être communiste. » Alors, donc, il y a eu... Et la deuxième chose que disait Vittorini, qui était importante, en disant « Pour nous, le communisme, ce n'est pas du catholicisme, c'est du protestantisme. » C'est-à-dire que c'était de la dissidence. Et donc, l'interview passe et suscite aussitôt la réaction des plus hautes sphères du parti et le responsable aux intellectuels qui s'appelait Laurent Casanova convoque un certain nombre d'intellectuels communistes qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout regroupés institutionnellement. Et au cours de cette rencontre où je suis invité, Casanova parle de l'interview de Vittorini et ce Corse dit « Qu'est-ce que cet Italien vient nous donner des leçons à nous autres Français ?» Et j'avoue que je n'ai pas pu résister et que j'ai dit ben, « Le fait que Vittorini soit italien n'altère en rien la pertinence de son propos. » À ce moment-là, il y avait un grand silence religieux, comme si j'avais fait un blasphème. Mais Casanova, paterne, du sourire, et on dit, il faut faire un rapport sur Vittorini, il faut faire un rapport. Qui va faire le rapport sur Vittorini? Et un abbé timonier dit, ben Morin, puisque Morin connaît bien Vittorini. Et tout à fait paterne, Casanova dit, eh bien, le camarade Morin va faire. Bon. Je ne veux pas m'étendre sur ces épisodes, mais je viens parce que Dionys se trouve lié d'abord comme déclic, mais ensuite parce qu'effectivement j'ai fait un rapport et dans lequel nous étions très regroupés, Robert, Dionys, et puis quelques autres camarades à l'époque, qui étaient des dissidents culturels, on ne mettait pas en cause le parti, mais on mettait en cause cette politique-là. Et il a été décidé de faire une autre réunion sur... La Nouvelle Critique était une revue de choc des intellectuels communistes. Et c'est Robert qui a fait le rapport. Et à la suite de ce rapport, bon, nous avons été condamnés, nous avons été vaincus. Mais ce fut donc un premier acte d'insoumission où, je le répète, Dionys a eu un rôle extrêmement important. Et je dois dire que, bien qu'il ne voulait pas quitter le parti, mais je me souviens, on en correspondait ensemble, moi je disais « j'en peux plus », il me dit « non, non, parce que si tu quittes le parti, tu glisses sur la pente savonnée qui conduit dans les bourbiers de la réaction ». Il me faisait très peur. Mais de toute façon... à la suite d'un épisode un peu comique ou grotesque et en même temps tragique, lui, Marguerite, Robert, Monique Antelme, Monique qui n'était pas encore Antelme, mais enfin, ont été exclus de la cellule de Saint-Germain-des-Prés. En ayant démissionné auparavant. Mais on ne démissionne jamais du parti, on est exclu. De même, moi, je n'avais pas repris ma carte, mais j'ai accepté et subi l'exclusion un an plus tard. Et on s'est trouvé donc en état de dissidence. On est au début des années 50, là, à peu près. 50. Voilà. L'année 50-51, on est dissident et on est un petit peu, si vous voulez, des cadavres politiques. On est un peu broyés. Parce que Dionys, qui publiera en 1953 son gros livre, Le Communisme, expose un peu ce que nous vivons à l'époque, c'est-à-dire on ne peut pas être communiste du parti, mais on ne peut pas être non-communiste. C'est-à-dire que
moi, si vous voulez, j'assume cette idée en disant que le communisme, enfin l'idée, disons, de la fraternité, de la communauté incluse dans le communisme, reste une idée clé, une idée guide. Mais évidemment, pour moi maintenant, le mot communisme a été tellement contaminé que j'hésite à dire, vu l'équivoque. Mais enfin, toujours est-il que Dionys a assumé cette position et cette contradiction que nous avons vécue. Mais cette contradiction, à mon avis, nous paralysait par rapport au parti. Et nous avons quitté cette paralysie, notamment quand il y a eu aussi bien l'octobre polonais de 1956 que la révolution hongroise. Mais si vous voulez, avant de... avant ça, il y a quand même l'événement très important. Dionys, en 1955, prend l'initiative de créer un comité d'intellectuels contre la guerre en Afrique du Nord. Et celui qui prend l'initiative, et bien entendu, il nous met, il y a Robert Antelme, il y a Louis-René Desforêts, il y a moi, on est les quatre. Et ce qui s'est passé, on a fait un appel, et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'intellectuels qui ne refusaient de signer des manifestes ou des pétitions ont signé cet appel, comme Roger Martin Dugard, François Mauriac, Louis Massignon. D'ailleurs, pour Louis Massignon, je me rappelle très bien, Louis Massignon, vous ne savez pas peut-être qui c'est, c'était un homme extraordinaire. On l'appelait le Lawrence d'Arabie français. Il était à la fois chrétien, musulman, bistique. Et c'était un homme qui a créé des très beaux écrits, très impressionnants. Et quand on est allé le voir tous les quatre pour lui demander d'adhérer, il a dit « Non, non, inutile de me lire votre texte. Laissez-moi vous regarder. » Alors il nous a regardés dans les yeux les uns après les autres, comme ça. Il a dit « J'accepte, votre regard ne ment pas. » Ça me faisait penser à la phrase de Rimbaud parlant de sa mère, elle a le bleu regard qui ment. Bon. Donc voilà, on a eu beaucoup. Et alors on a pu réunir dans une petite salle, je ne sais pas si c'est la salle d'encouragement ou rue Jacob, enfin dans une salle, les gens qui avaient signé, on était très nombreux, cet appel contre la guerre d'Algérie. Et chose aujourd'hui qui paraît dérisoire, on a juré de nous séparer que lorsque nous aurons terminé la guerre d'Algérie. Hélas, on a dû se séparer avant. Et donc, ce comité s'est créé. Il y avait même quelques communistes comme Vernant. Il y avait des Sartriens, comme on dit. Il y avait des trotskistes comme Cherami. C'était assez éclectique. Et on peut dire que dès le départ, Dionys a été très influencé par Francis Janson, alors que moi, de mon côté, influencé par Lambert, le trotskiste du mouvement qu'on appelle lambertiste, je voyais que Messali Hadj, fondateur du nationalisme algérien, était très violemment combattu, pour ne pas dire... pas seulement par les paroles, mais par les armes, par le FLN, et que j'ai voulu défendre l'honneur. Puisque quand j'étais communiste, je me tuais, j'étais muet quand on parlait des trotskistes comme des vils agents impérialistes, et je me suis dit, c'est fini, c'est de lâcheté. Bon. Mais enfin, en dépit de ce différend, on a fait un meeting, on a fait ce comité qui s'était bien lancé. On a fait un grand meeting place au Salvagram. Mais là-dessus,
arrivent les événements à l'Est. Tout d'abord, il y a eu ce qu'on appelait l'octobre polonais, c'est-à-dire qu'à la suite d'une émeute ouvrière à Poznan en 1955, il y a eu un mouvement populaire très fort qui a poussé à renverser la direction communiste stalinienne et le remplacer par Gomulka, lequel avait été écarté par les staliniens, qui a aussitôt promis de rétablir le droit de grève, la liberté, etc. Et nous, nous avons été invités par une revue polonaise dirigée par un ami de Dionys, Lisowski, Georges Lisowski, et nous sommes partis en voiture, Robert, Dionys, Claude Lefort, qui s'était agrégé à nous, et moi. On est partis en voiture pour Varsovie, dans des conditions de totale illégalité, mais avec des faux documents donnés par, à l'époque aussi par le ministère de Mitterrand, parce qu'on n'avait pas le droit de passer par l'Allemagne de l'Est, etc. Enfin bref, nous avons été en Pologne. À un moment donné, le mouvement qui s'était épanoui de conseils ouvriers, etc., commençait à retomber parce qu'avait commencé la répression de la révolution hongroise à Budapest. Et alors que Dionys restait très optimiste, Lefort et moi, on commençait à voir que là aussi, ça serait stoppé, ça serait inhibé, ça régresserait. Mais enfin, à la suite de ce voyage important, Dionys a écrit sa lettre polonaise, qui est un très beau texte. Sur la misère intellectuelle en France. Sur la misère intellectuelle en France, voilà. Et donc, nous revenons. Mais il faut dire aussi qu'en Hongrie, il se passe des choses extraordinaires. Il y a aussi un soulèvement formidable qui porte au gouvernement Imre Nagy, qui est un communiste qui a été en prison, mais qui est libéré, qui est un communiste libéral, comme on disait. Il y a un mouvement formidable de la jeunesse populaire, ouvrier, des conseils ouvriers. Et là-dessus arrive une répression sauvage par l'armée soviétique, des soviets populaires de Budapest. Il est évident que cette situation nous a émus et on était beaucoup dans le comité contre la guerre en Afrique du Nord à penser qu'on ne pouvait pas se taire sur une sauvage répression en Hongrie alors que et de se borner à dénoncer les répressions françaises que la France occupait en Afrique du Nord. Par contre, d'autres voulaient qu'on reste uniquement limité à l'Algérie. Et on a eu une séance historique de notre comité où, en fait, une scission a eu lieu. Parce que d'un côté, Dionys, Lefort, moi-même et quelques autres étaient qu'il fallait lier la lutte contre toutes les oppressions et y compris à l'époque l'intervention franco-anglaise à Suez parce que Israël avait profité de l'occasion pour attaquer l'Égypte. Bref, et à ce moment-là, on peut dire que le comité a commencé à dépérir en tant que comité, mais non pas l'activité de Dionys pour la guerre d'Algérie. Et notamment, arrive le putsch des généraux d'Alger en 1958, et là-dessus, Dionys publie avec Jean Schuster, avec qui il s'est désormais bien lié, Jean Schuster qui est un disciple d'André Breton, il publie le 14 juillet pour dénoncer les putsch et aussi De Gaulle. C'est une revue, hein, le 14 juillet. Une revue qui s'appelle le 14 juillet, où Dionys, poussé un peu par l'exaltation, au moment où De Gaulle a eu une énorme majorité par référendum, met en bandeau de sa revue, le peuple de France condamne De Gaulle à mort. C'est un peu décalé, mais enfin. Bon. Mais toujours est-il qu'il y a cette activité. Et c'est en 1960 qu'il suscite le
manifeste d'idée 121, c'est-à-dire la déclaration sur le droit à l'insoumission dont il est le premier rédacteur et qui a été après corrigé un peu par Blanchot. Alors, peut-être pour l'anecdote très rapidement, je dirais que moi, tout en étant tout à fait pour le droit à l'insoumission, mais je n'ai pas signé, alors que la plupart des brillants intellectuels ont signé, mais parce que dans mon esprit, après le putsch des généraux, je me suis dit que la continuation de cette guerre qui aurait dû s'arrêter par des négociations à l'époque de Mendès France et de Guy Mollet, et au contraire, Guy Mollet a aggravé cette guerre, que cette époque allait conduire aussi bien l'Algérie que la France à des dictatures. En France, une dictature militaire, et en Algérie, une dictature d'un parti unique. Et je me dis, le plus important maintenant, c'est de militer pour les négociations au plus vite avec le FLN et la paix, l'arrêt des combats. Et il faut dire que malheureusement, la guerre a duré et que le pire, dans le fond, la France l'a évité à cause de la stratégie acrobatique de De Gaulle. Nous avons évité une dictature de généraux ou de colonels, mais l'Algérie n'a pas évité une dictature qui, après elle-même, a rencontré un nouveau problème avec le fils. Mais enfin, ceci... Mais Edgar, il faut dire que les intellectuels qui ont signé ce manifeste, un certain nombre d'entre eux ont eu quand même des ennuis pendant un temps. Ils ont eu des ennuis, c'est-à-dire que oui, la police, il faut dire aussi, chinoise, ils ont été, interrogés par la police, ils ont été, Sartre s'est réfugié au Brésil. Enfin, ils ont. Mais enfin, je veux dire qu'il n'y a pas eu d'arrestation, c'est-à-dire que là aussi, De Gaulle était intimidé par les. Il y a la fameuse phrase de De Gaulle, on n'emprisonne pas Voltaire. Bon. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont pris leur risque, mais finalement, De Gaulle a évité d'aller jusqu'au moment du conflit et de l'emprisonnement. D'ailleurs, André Breton, au sortir du commissariat de police qu'il avait interrogé, a dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Ils ne m'ont pas emprisonné. » Donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au cours de cette époque, on s'était, en quelque sorte, dissocié. On était restés amis, mais on était plus ensemble. Moi, j'avais mené une revue qui s'appelait Argument, à laquelle je lui ai demandé de collaborer. Il n'a pas voulu. Moi, j'ai fait un article, quand même, dans 14 juillet, mais enfin, je n'étais pas dans ce genre d'entreprise. Il y avait quand même des différences entre nous. Mais on s'est quand même retrouvés en 1967 à Nauvre-le-Château chez Marguerite Duras. Parce que Marguerite Duras m'avait hébergé avec ma compagne d'alors, Joanne, parce que j'écrivais un livre sur une commune bretonne que j'avais étudiée. Et j'étais écrivé. Et en même temps, il y avait Dionys et sa compagne Solange, que je connaissais. Solange, je l'avais vu chez Gallimard avant, mais là, nous nous sommes mieux connus. Et donc, nous avons revécu pendant quelques temps, je crois, pendant quelques mois, je ne peux pas dire exactement, cette vie communautaire de l'époque de la rue Saint-Benoît. Et cet épisode fut un peu brisé pour une raison que je ne dirai pas, mais qui n'a rien à voir avec Dionys. Enfin, qui a indirectement à voir avec Dionys, mais qui relève du privé. Donc, il y a eu ces retrouvailles qui n'ont pas trop duré. En mai 68, alors là, le Dionys, l'insoumis, redevient très actif. Il est un animateur des intellectuels, du comité des intellectuels révolutionnaires, comité d'action étudiants écrivains au service du mouvement. Alors que moi, je suis plutôt le chroniqueur
j'ai plutôt fait dans Le Monde une série d'articles sur ce que j'appelais la commune étudiante, etc., pour expliquer ce que c'était ce mouvement, et bien entendu manifester ma sympathie profonde. Alors, voici, les années passent. Robert est hospitalisé en 83, paralysé, quasi paralysé. Dionys reste très exigeant toujours. C'est une époque où il est très méconnu, inconnu. Mais enfin, il est rue de l'université. Voilà, rue de l'université, avec Solange, sa fille Virginie. Et il écrit beaucoup à cette époque-là. Et fort heureusement pour moi, je le retrouve, je crois, en 1994, ou peut-être un petit peu avant. En 91, 92. Voilà, heureusement que tu es un grand historien. Et on se retrouve. Surtout, j'étais là. Voilà. Et nous redevenons familiers avec cette fois Solange et Virginie. Et même, je crois que nous sommes allés avec ma compagne alors, qui est Edwige, à leur maison de campagne. Nous avons fait un bon séjour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bien que Dionys était septuagénaire, je n'arrivais pas à septuagénériser son visage. C'était toujours pour moi le visage presque adolescent du jeune homme que j'ai connu. Il a toujours eu pour moi cette jeunesse de visage, même quand parfois il devenait un vieux grognon et ronchonnait. Mais c'était quelque chose. Pour moi, c'était toujours un enchantement. Voilà. Alors, écoutez, je vais terminer en lisant la fin de l'article que je lui ai consacré quand il est mort, que dans Le Monde. Alors, je disais, Dionys Mascolo fut comme un polon de l'esprit, sans ostentation, toujours en retrait. Il fut un homme d'exigence. Son exigence éthique n'a cessé de porter sur l'écriture, pour laquelle, comme Poulenc, il avait respect et religion. Mais comme Poulenc, l'exigence éthique le conduisait à la résistance. Il trouva en Saint-Just l'incarnation historique de cette exigence qui devient alors exigence révolutionnaire. Dionys, qui forma sa culture de façon autodidacte, ne fut pas domestiqué par l'éducation universitaire. Il était par vocation insoumis, et le manifeste qui l'inspira fut le révélateur de son insoumission spirituelle. À rien, à nulle mode, à nulle tendance, à nul dogme, sauf le dogme que formait parfois son esprit, à nulle autorité, il ne se subordonna. Que ceux qui révoltent, bassesse, misère, humiliation, oppression, sachent qu'ils ont perdu un frère, que ceux qui respectent la dignité, la rigueur, la noblesse, prennent le deuil. Voilà. D'entendre Edgar évoquer Dionys Mascolo, qui était, oui, ce personnage exigeant et généreux, c'est-à-dire il était les deux, vraiment les deux à la fois, toujours très précis sur le langage, sur les mots. Il était d'une exigence vis-à-vis de lui-même, d'ailleurs, immense. C'était un altruiste aussi, un intellectuel, j'ai dit. Il a beaucoup écrit sur le rôle des intellectuels et sur le rôle propre des intellectuels. Pour lui, ils avaient une responsabilité, les intellectuels, dans
la dénonciation, voilà, des injustices, etc. Je crois qu'il n'aimait pas trop le mot de penseur. Je ne sais pas si tu te souviens de cela. Bon, il se méfiait un peu de cette notion. Mais alors, vous savez, il a été écrivain, il a écrit des papiers dans des revues multiples, un certain nombre d'ouvrages. D'ailleurs, quand on regarde son œuvre, elle est très éclectique en réalité, parce que ça va de Saint-Just à Heidegger, mais aussi un petit essai sur le thème de l'amour en réponse tout à l'heure. Philippe Morier-Genoux nous en lira un extrait en réponse à une enquête du mouvement surréaliste. Et puis ce livre magnifique autour d'un effort de mémoire, ce complément à la douleur de Marguerite Duras, où il raconte ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire ce passage où il va chercher Robert Antelme dans le camp de Dachau, et parole dans laquelle se transforme Antelme, puisqu'il ne veut que témoigner, parler, on ne sait jamais, sera-t-il vivant à la fin du voyage. Il y a tout ça dans son œuvre, et tu disais effectivement un insoumis. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que lui, comme du reste Antelme, comme du reste Lefort, et même quelqu'un qui ne fréquentait pas beaucoup, mais enfin, comme je dirais Castoriadis, ce sont des penseurs, je dis le mot, mais ou des écrivains ou des intellectuels extra-médiatiques. Ils n'ont jamais fait de compromis avec le monde des médias. Et du reste, c'est une des raisons pour laquelle ils sont restés dans l'obscurité. Voilà. Et ça, il faut leur rendre cet hommage aussi. Alors, il y a aussi des... moi, je le vois comme un penseur aussi de la pensée, malgré tout, Dionys. D'ailleurs, l'une de ses obsessions, c'était au fond autour de l'idée communiste que tu évoquais. Lui, il rêvait d'un communisme de pensée, c'est-à-dire d'une agora où se partageraient les idées pour mieux comprendre le monde et faire partager cette compréhension du monde. C'était ça qu'il voulait dire. Alors, il y avait des thèmes comme ça qui revenaient. Je me souviens, par exemple, qu'il... il avait en vénération l'idée de peuple. Mais alors, il me disait toujours, et ça m'intriguait parce que je n'avais pas lu Michelet à cette époque-là, et il me disait, mais le peuple au sens de Michelet. Et il avait une façon de le prononcer qui nous remplissait d'imaginaire. Et il y a un autre thème, alors le rôle propre des intellectuels, il y a un autre thème qui est très présent alors, dans sa vie et dans son œuvre, c'est l'amitié. L'amitié, sa parcours... Sa façon d'être, mais il a beaucoup écrit aussi sur l'amitié, d'ailleurs aussi autour et à la suite de Maurice Blanchot. C'est quelque chose à laquelle il accordait beaucoup d'importance, l'amitié. Et son amitié aussi avec Jean Schuster, avec Blanchot lui-même, et puis celle qu'il a eue avec moi-même. Enfin, donc c'était des choses très importantes dans sa vie. Et sans parler de cette amitié sublime avec Robert Antelme. Avec Robert Antelme, comme il disait, son ami, son meilleur ami. Et la journaliste Claire Devarieux avait eu un mot juste au moment de la mort de Dionys. Elle disait de lui qu'il avait l'amitié comme morale et art de vivre. Mais au fond, c'est ce que vous avez vécu, rue Saint-Benoît, à la Libération, ces années que vous avez vécues ensemble, finalement, en communauté. Mais lui, il disait, on n'est pas une... C'est pas le mot communauté qu'il retenait. Quand on a fait avec Jean-Marc Turine et Jean Mascolo le film dont on présentera un extrait dans un instant, Dionys disait, mais nous, on était finalement... Le mot qui nous définit le mieux, c'est le mot le plus simple, le plus basique, on était un groupe d'amis. Il ne voulait pas aller au-delà de cette définition tout à fait basique, parce qu'il était aussi exigeant, mais d'une grande humilité. Alors, on va évoquer tout à l'heure avec Gisèle Sapiro un certain nombre des étapes que Edgar vient d'évoquer lui-même. Mais auparavant, on va demander à Philippe Morier-Genoux de bien vouloir nous rejoindre, Philippe. Et
À Philippe, nous avons suggéré de lire un extrait d'un passage de cet ouvrage autour d'un effort de mémoire. Ce livre, Dionys Mascolo, il l'écrit en 1987, il le publie en 1987. Il le publie parce qu'il retrouve une lettre de Robert Antelme écrite immédiatement à quelques semaines seulement après son retour de Dachau, une lettre que Robert Antelme adresse à Dionys. Et donc, au milieu de ces années 80, Dionys retrouve cette lettre et il éprouve le besoin irrépressible de raconter à sa façon eh bien, ce retour de camp de Robert Antelme. Et si vous avez lu La douleur, Marguerite raconte dans La douleur le moment que tu as évoqué où Antelme revient ici à Paris, rue Saint-Benoît. Autour d'un effort de mémoire fait le récit des moments juste de la période qui précède. Et c'est un texte magnifique, bouleversant. Vous allez en juger. Autour d'un effort de mémoire, Dionys Mascolo. Je ne sais combien de temps j'ai erré dans les allées, entre les blocs, scrutant les visages, questionnant ceux qui peuvent parler. Il fait beau, les plus valides sont debout ou marchent par petits groupes. Tous les autres, c'est la quasi-totalité de la population du camp, sont couchés sur le sol, côte à côte, alignés perpendiculairement aux parois des blocs, de chaque côté des allées, dont le centre seul est libre. Lorsque j'entends sur ma droite une voix prononcer mon nom, je m'approche, je me penche, et de nouveau, j'entends mon nom, en même temps que je vois de tout près des lèvres le former sous un regard qui m'absorbe. Je reconnais Robert à l'espace qui sépare ses incisives supérieures. Georges Beauchamp, porteur d'une documentation destinée aux Français, qui s'y trouve en attente, a fait un saut à Munich. À son retour, grâce à l'aide énergique et lucide de Basseville, ouvrier communiste depuis longtemps détenu à Dachau et qui n'avait cessé d'entourer Robert d'une extraordinaire protection depuis son arrivée au camp, Robert n'était pas loin de penser lui devoir la vie et ils resteront toujours liés par la suite. Et de plusieurs de ses camarades auxquels il a fait part du plan qu'il a conçu. Nous nous groupons, non loin du poste de garde, de la sortie du camp, Robert très faible au centre de nous, et nous palabrons avec fièvre, comme le voulait la mise en scène. Après quoi, nous irons demander à l'officier de garde de permettre à Robert, censé posséder des renseignements de toute importance sur certains agents de la Gestapo demeurés actifs en France, de nous accompagner hors du camp, le temps pour nous de le questionner dans le calme et sans risque d'indiscrétion. L'autorisation accordée de sortie était brève. Alors nous allons et venons lentement, une quinzaine de minutes peut-être, le long des villas qui font face aux barbelés du camp, en prenant soin de rester en vue du poste de garde pour gagner à la fin la voiture que Georges a placé au premier mètre d'une rue adjacente. Nous fuyons. Robert nous fait promettre de ne pas nous arrêter avant la frontière. La peur d'être repris, la folle. Il est un détenu qui tente de s'évader. Je ne puis relater que ce qui suit qu'au prix d'un effort analogue à celui qu'exigent les récits des rêves. Georges Beauchamp
conduit sans relève. Moi, je ne sais pas conduire, je suis à l'arrière de la voiture avec Robert. Le temps de la première frayeur passée, une soixantaine de kilomètres parcourus à Augsbourg, derrière nous, il commence à parler. Il mange aussi à la petite cuillère, dans des boîtes de conserve américaines et du saucisson. Il parle. Il dit tout. Dans son épuisement physique, il n'est plus que parole. Je n'ai pas à le questionner. Il dit tout. Tout ce qu'il a vécu depuis un an, épisode par épisode, sans ordre, l'un évoquant l'autre. Garder le silence plus de quelques instants lui serait impossible. Il parle, continuellement, sans heurts, sans éclat, comme sous la pression d'une source constante, possédée du besoin véritablement inépuisable d'en avoir dit le plus possible avant de peut-être mourir. Et la mort même n'avait manifestement plus d'importance pour lui qu'en raison de cette urgence de tout dire qu'elle imposait. Je crois que nous ne dormirons en tout pas plus de 4 ou 5 heures pendant les 2 jours du retour. De son aspect physique, il en est dans ma mémoire comme de ses paroles concrètes. Je sais seulement que nous l'avons revêtu de vêtements civils et que son poids est passé de 80 à 35 kilos. Mais notre côte à côte incessant ne m'a pas permis de conserver un souvenir net de l'apparence qui était la sienne, comme s'il ne m'avait pas été donné de le voir de mes yeux, pas plus que de me voir moi-même. Il me faut en passer par l'intermédiaire du regard des autres sur lui pour en dire quelque chose. Mais de cela, de l'effet produit par sa vue sur ceux auxquels il apparaît, du spectacle qu'en retour ils offrent en face de lui, c'est en face de nous, j'ai gardé des images les plus vives. Enfin, nous sommes le lendemain à Verdun où nous nous arrêtons pour manger. Nous entrons dans une brasserie dont il nous faut traverser la vaste salle bruyante et presque comble. Au ralenti, il marche entre nous deux. Grand. Nous ne le soutenons pas. Nous sommes une ébauche de mandorle à ses côtés. À notre entrée, les conversations les plus proches s'interrompent et la vague de silence gagne bientôt toute la salle. De table en table, on se lève alors à mesure que nous avançons. Le silence, l'immobilité complète dureront jusqu'à ce que nous aurons eu trouvé place. Scène d'un messianisme sans parole. Rien ne fut dit de part ni d'autre. Une telle manifestation spontanée d'émotions collectives, d'une intensité qui n'est comparable qu'à celle de certains rêves métaphysiques, je n'en connais pas d'exemple aussi pur. Elle reste dans mon souvenir comme l'un de ces accidents qui vous éloignent mieux que tous les discours de la facile tentation du pessimisme. Ils sont libérateurs en ce qu'ils ont de désarmant. Ils vous privent à l'avance de cette assurance, vrai salaire du pessimisme qui fait négliger les possibilités d'éveil encore présentes dans les plus abattus des hommes. Il faut faire un arrêt sur cela. Ce que ce fut, au plus sûr, un ecce homo sans sujet, n'exposant personne,
n'exposant pas un homme, mais l'homme avec un grand H, réduit à son essence irréductible, ce qui donc n'est pas représentable. Et c'était moins d'émotion que l'assistance était saisie que d'une sorte de longue surprise. Qu'était-ce donc qui venait juste d'être rendu sensible, que personne n'était en état de nommer et qui avait été reconnu dans l'instant de chacun? Étonnement pareil à celui des rencontres où un autre dont je ne sais rien s'annonce à moi comme le porteur de mon propre destin, on le dirait réservé à l'aventure singulière. Il était ici général, cet étonnement. Si je cherche comme il faut à préciser cela, je suis conduit à décrire moins l'apparence de Robert, je l'ai dit, que les effets produits dans l'assemblée par l'image ainsi offerte à tous. Diverses, plus ou moins discrets et manifestes, ces effets avaient en commun d'exprimer une égale passion de pensée. D'abord, cette image apparaissait à tous les yeux moins pitoyable qu'impressionnante de majesté simple. Elle évoquait moins d'héroïque combat contre une adversité définie qu'une sorte d'accomplissement supérieur dans la persévérance d'un refus opposé à ce qui pourrait n'être qu'une neutralité insaisissable du mal. Ou encore, on était là comme en présence d'une source inédite et certaine de vrai, devant une innocence seconde, innocence dans le savoir, conquise en même temps que ce savoir lui-même préservé en elle comme savoir. De là, sans doute, l'attente bien spéciale qui tenait suspendue l'assemblée, c'était celle d'un événement de parole. De fait, cette présentation, son silence en lui-même lisible, aura été réellement reçu comme l'annonce publique ou l'aveu de la part de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas d'issue à la condition d'homme, le martyr même n'y servant pas, mais qu'une telle absence d'issue coupe aussi la retraite du désespoir. Et encore, l'être ainsi exposé n'appartenait certainement à ce moment ni tout à fait à la vie, ni tout à fait à ce monde, non pas simplement égaré dans l'absurdité d'un non-lieu ou de limbe, mais abandonné plutôt, ou élevé déjà à la dimension d'un effacement ou d'une inutilité du temps. S'il y a d'autres exemples de perte de la dimension temporelle dans l'homme, celui-ci s'accomplissait sur un tel fond de tragédie universelle, encore retentissante et en rapport avec elle qu'auprès de lui, les dilacérations naturelles du temps, la mort, la naissance personnelle semblaient n'en être que des formes grossières, trop fugitives en tout cas. Ni le mourant eût-il été gagné par la sagesse étale ou l'avenir qui se dérobe va faire le vide, ni l'enfant dans son inconsistance première qu'un avenir est déjà en train de tailler ne donne à voir pareille indétermination positive et stable entre ce qui est d'ici et ce qui est d'ailleurs, de maintenant et de tout temps. Il y avait dans tout cela, dans cette scène aux nombreux personnages et dont la durée réelle fut probablement brève, mais qui, dans mon souvenir, est à n'en pas finir, et ceci encore avant de la clore. La passion de pensée fut sans doute au plus fort quand l'assistance, avant de retourner à sa dispersion, en vint à se prendre elle-même pour spectacle. On s'entre-regardait. L'image présentée s'imposait si indiscrètement à chacun des mortels spectateurs comme la projection de l'image intime de soi qu'on le voyait se voir subitement le même que tous en même temps que voir chacun des autres se voir le même que lui et que tous. C'est ce qu'il y eut là d'ingénument religieux. Ou encore, cette fois pour vraiment finir, si le tragique n'était pas loin, cette salle de brasserie, théâtre ou temple, l'assistance en cet instant fut
le cœur silencieux d'une action dont Robert, à lui seul, eût été le héros, le témoin et l'oracle. Nul doute que Robert, s'il dit, sur le point de se réincarner, qu'il hésite à retrouver le cours du temps, c'est qu'il n'est pas revenu d'une telle expérience, où la pure présence était déjà parlante. Je n'en reviendrai d'ailleurs pas, tout à fait moi non plus, jamais ensuite, même au moment de divergence, qui ont toujours tenu aux aléas du parti à prendre, je n'ai cessé de voir dans la personne de l'ami familier ce divin de la forme humaine qu'il avait alors revêtu. Qu'il lui en soit resté quelque chose, ce sera là peut-être pour ceux qui l'approcheront par la suite, son mystère à lui. Mais plus justement, car pour le mystère, n'est-ce pas, chacun a le sien. C'est là ce qui fera son charme propre et plus précisément ce qu'il y aura dans ce charme même, non pas d'affliger ni même d'attrister, on ne peut le dire, mais de profondément inconsolé, qui sans doute est la marque que de tels moments doivent laisser dans l'âme de celui par lequel ils seront arrivés. Merci beaucoup à Philippe Moriez-Genoux pour cette magnifique lecture et pour rendre aussi hommage à ce texte si intense, si profond, si beau. Autour d'un effort de mémoire avait été édité par l'ami d'ailleurs de Dionys Mascolo, les éditions Maurice Nadeau. Cet ouvrage n'a pas été, à ma connaissance, réédité, notamment par les éditions Benoît Jacob, qui ont publié pas mal d'ouvrages de Mascolo. Vous pouvez retrouver cela sur Internet. Celui-ci, je ne crois pas. Et alors, je voudrais me permettre de vous signaler aussi un autre ouvrage qui vient de paraître, et c'est un texte que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tu connaissais cela toi-même. Tu l'as reçu. Un texte qui s'appelle Le coup de tête de Dionys Mascolo. C'est un texte, c'est une fiction en réalité, mais une fiction qui parle quand même beaucoup de Dionys, qui est illustré par un artiste qui s'appelle Gilles-Jean Gelzer, aux éditions du Chemin de Fer, je vous le signale, et parce qu'ils ont eu la très très bonne idée, alors je ne sais pas si Solange Mascolo et Virginie, qui sont dans la salle et que nous saluons, ont vu cela certainement, ils ont eu la très très bonne idée de publier un petit fascicule avec des photos et un récit de la vie de Dionys Mascolo, et également des photocopies d'ouvrages annotés par Mascolo, etc. On retrouve aussi toute son œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été aussi acteur. Il a tourné dans plusieurs films de Marguerite Duras notamment, mais aussi de Jean Eustache Mascolo. C'est un aspect de son parcours qu'on connaît moins. Donc voilà, je voulais signaler cela. Et alors, ce petit fascicule qui est absolument merveilleux et superbement illustré, eh bien, on ne peut l'obtenir que si on achète l'ouvrage lui-même très, très joliment illustré. Je ne connais pas les éditions du Chemin de Fer, je les ai découvertes et merci pour leur travail.